Ça se trouve, il y a le sida dans Harry Potter, je veux dire, t'en sais rien. Je me tiens non plus. Dans le doute, tu penses que t'as raison, du coup, vu que on sait pas tous les deux. Donc tu t'accordes le droit de raison, vu que t'es un modérateur. Donc c'est de l'abus de pouvoir. Ah là là, les admins, y a vraiment des gros c*** des fois, je vous jure. Regardez, il continue, le mec n'arrête pas. Le mec se prend pour un putain de cow-boy. En plus, là, on parlait avec personne, on était en groupe, franchement. Attendez, je vois un pigeonnet au loin. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette trace dans le ciel? Ah oui, Hagrid, je te présente Mathieu. Peut-être un mec. Il aimerait bien les merguez. Des merguez? Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. C'est donc ça, la merguez. Qu'est-ce que vous faites, vous, jeune homme? Bah, rien, je voulais rien faire. C'est vrai, vous voulez rien faire, vous êtes sûr? Vous voulez pas venir dans ma cabane, par hasard? Non, absolument pas. Oh, Dobé! Oh, Dobé! Qui est cette grosse dame au tableau, madame? Eh ben, c'est ma mère. Oui, c'est ma mère. Elle s'appelle Marie-Antoinette de la chaussure de... C'est vrai? Mais regardez sa robe, on dirait un gros sac poubelle. Eh ben, en fait, c'est un sac poubelle. Et donc, vous êtes l'ordure qu'elle a accouché, c'est ça? Non, je suis le déchet. Ah, vous êtes le déchet, bah oui, c'est bien ce que je me disais. Vous êtes la capote. Moi, je suis la capote qui a craqué, c'est ça? Et vous êtes le déchet issu de ce petit problème, quoi. J'ai une maladie, en fait, je peux tordre mon cou. C'est beau. Bonjour, monsieur, comment t'as... Oh, vous êtes Harry Potter! Enfin, je vous cherchais depuis tant d'années. Comment allez-vous? Bien. Bien, et vous faites quoi dans la vie, monsieur Potter? Bon. S'il vous plaît. Est-ce que vous savez parler, monsieur Potter? Vous êtes à l'école pour ça? Monsieur Potter, arrêtez de bouger, ouvrez la bouche, articulez. Je ne comprends rien à ce que vous racontez, monsieur Potter. Vous êtes allé voir Hagrid, vous? Vous avez la bouche grande ouverte, monsieur Potter? Qu'est-ce qu'il a, lui, le crâne d'œuf, là? Arrêtez! Non! Attendez, votre texture, elle est même pas finie sur votre crâne, quoi. On dirait que vous êtes sale comme un porc. Allez-y! Allez-y! Allez-y, plus fort! Allez-y! Oui! Oui, monsieur! Vous aimez ça, oui, hein? J'aime ça! C'est dans ça que vous aimez! Eh ben, attends! On a plus le droit de se brosser les dents! C'est dans vous? Cette face tordue? Oui. Ce visage puant et qui sent le moisi? Excusez-moi, je suis désolé, monsieur, je voulais... C'est sorti tout seul! Non, monsieur! Attendez, monsieur le moche, arrêtez! N'ayez pas peur! Vous avez une belle coupe mulet! Venez, je vais vous sécher vos larmes! Venez, je vais vous sécher vos larmes, n'ayez pas peur! Vous voulez un petit câlin, monsieur? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire là? Wow, y'a de la magie là! C'est ma beauté! C'est votre beauté qui m'éblouit, c'est donc ça! Laissez-moi vous faire un petit calidou, ça vous dérange pas? On va dans les chambres si tu veux. Ah, d'accord. Bon bah voilà, on a un rencard les amis, enfin! C'était pas Hagrid, mais c'est toujours ça de prix. À un moment donné, faut prendre la cinquième roue du carrosse, la roue de secours, faut trouver chaussures à son pied quand on ne trouve pas. T'as strictement rien à faire ici en fait. Ah non, mais j'ai été invité par lui en fait. C'est lui le patron en fait. Ah oui, frappe-moi, ah, vas-y. Vas-y, fais-moi mal. Vas-y, continue. Ah oui. C'est ce que tu fais, mec. Tu rigoles ou quoi? Je suis l'homme qui joue le plus RP sur Gmod dans le YouTube game. Vous ne me connaissez pas. Je suis l'homme qui fait des actions RP de fou. Oui. Arrêtez de dire que je joue pas RP. Je joue le plus RP au monde. Bon, vas-y, c'est bon. Monsieur, frappez-moi, s'il vous plaît. Continuons cette action RP de qualité. Ah oui. C'est tellement malsain. Ah, je brûle, bon, je me casse. Oh, gros bidet. Au revoir, gros bidet. Arrêtez d'uriner dans les couloirs, vous. Oui, vous, je vous ai vu faire pipi dans le couloir. Vous sentez la pisse à 10 km, monsieur. Regardez-moi ce pantalon, il est jaunâtre. Oh, faut secouer, faut faire la gougoute à la fin. Voilà, et ben voilà, il me pisse dessus. Et ben voilà. Zoé, elle a été bonne. Quoi? Zoé, elle était bonne? 5 heures. Quoi, ouais. Zoé, elle était bonne? C'est qui, Zoé? Ah, c'est la fille de tout à l'heure, mais je sais pas si c'est une fille ou un garçon, moi. Mais c'est une fille. C'est une vraie fille ou c'est genre un garçon qui a une voix de... C'est une vraie de fille. Mec, il est trop chien. Bah Zoé, si tu vois ça, regarde, tu as une touche avec Mathieu Monterio. Et tu sais que ça, je vais le laisser dans ma vidéo. Elle saura que tu l'aimes. T'es content? What the fuck? Attends, n'aie pas peur. Attends, une merde, il s'est tiré. Ah, vous êtes là, monsieur le concierge. Mais oui. Non mais attendez, on vous a ouvert le crâne ou quoi, monsieur le concierge? T'es complètement cinglé, toi. Non, ça va, je maîtrise ma folie. Rectum sempra, tout à fait. J'approuve. Rectum sempra. Ça marre bien, Poudlard, dis donc. Solène, je peux te faire un câlin d'amour? Ah oui, Solène, fais-moi mal. Retourne-moi comme une daube. J'aime ça, Solène. Sens-moi les fesses quand tu me retournes. Vas-y, Solène. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Alex Tapio. Comment tu connais mon nom? Parce que on parle de vous. On dit que vous êtes l'homme le plus gentil de la planète. Ouais, mais tout à fait vrai. Oh, je vois que vous aimez les flatteries, monsieur. Oh, mais quel beau vêtement! Qu'est-ce que vous êtes beau!
Vous savez, j'aimerais tellement avoir vos vêtements. Je sais, oui. Ah, vous savez, ça va la prétention, ne vous étouffe pas. Peut-être qu'un jour j'arriverai à votre cheville, monsieur Banderas. Vous connaissez la promotion canapé? Oui, vous connaissez? Vous connaissez pas la promotion canapé? Ah, et ben promotion voilà. Canapé. Ah bah vous avez tout ce qu'il faut pour faire la promotion canapé. Mais en fait la promotion canapé consiste à faire des choses d'adultes. Par exemple si tu veux devenir chef dans une entreprise, bah des fois l'autre chef demande une promotion canapé pour voilà, pour se mettre bien quoi. Et ça existe aussi sur YouTube. Mais oui, il y a des youtubeurs qui utilisent des promotions canapé. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas fin de ménage. Eh Yandere Simulator, tu t'es trompé de jeu là. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il danse comme un cinglé à côté? Eh hey, si on dansait tous ensemble, c'est plutôt une bonne idée ça. Bonjour. Antoine. Pourquoi tu me colles? Bonjour. Bon, je me retire aux toilettes. Je vais déposer un moule à gaufres. Vous voulez venir tenir le papier toilette avec moi? Non, c'est bon. Likez également si vous avez kiffé, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo toujours plus exceptionnelle. Au revoir.